Wara son aya na Afrique du Sud ko pesa concert. Pino ba musicien boyoka kate. Bazo bengana bino partout en Europe, on ne veut pas de vous. Bolingi bo continuer qu'on n'a pas congolais jusqu'en Afrique du Sud. Yo wara son musique ni benza yo beta. Non, depuis que toi tu as commencé ta carrière, à part les génériques, l'air wara son ebima. Moi, je n'ai jamais vraiment cartonné. Toi, tu es quel musicien, toi? Tu as la publicité où tu as un stade Ellis Park. Tu as un Ellis Park. En 1994, Michael Jackson a donné un concert là-bas. Et d'autres grands musiciens. Toi, tu n'es pas un grand musicien. Même à Kinshasa, tu n'es pas un grand. Tu ne connais pas chanter, même pas danser. Nous avons mis que la sonité, pendant que le pays est en deuil, tu voudrais venir déranger les gens ici, la coopération, bah voyou, bah zalia, bah tout pamba pamba, qui ne veulent pas travailler, oh bah lingi, bah la tabilamba, bah mela masanga, bah la nabasi, pour qu'on dise que non, bango, ce sont eux qui ont fait produire la son ici. Est-ce que vous avez la zame ici? Mungungu nini yo zana ngwe zana charme. O penza, boyo kaka, a comparer ta ba musicien mususu. Qui a besoin de la musique de Werason? Ou de la musique en général? Bino pa kino a bozali, boma ou qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bonne matinée à vous tous, Bana Congo. Non, ça fait des jours que je ne vous adresse plus la parole. Donc, il y a des occupations qui m'ont retenu et qui ont fait que je ne sois plus très actif sur le net. D'accord, ici vous allez un peu bien. L'actualité étant déjà passée, mais elle est toujours là. Les points dans l'agenda. Les Alaki, Bézali. La rencontre de Félix Tshilombo avec des envahisseurs qu'il appelle faussement des rebelles au Kenya. Nombreux compatriotes ont décortiqué déjà les points et je pense que Bozali Namayele y a qu'à retenir le positif et le négatif de ce que tout le monde a dit. Il y a eu une réaction massive, que ce soit à la radio ou dans les réseaux sociaux télévisés. La réaction, il y a des Congolais, nombreux parmi eux, qui sont très mécontents de l'acte posé par M. Félix Tshisekedi, comme il en a l'habitude d'ailleurs, chaque fois qu'il sort ou chaque fois qu'il est au pays et qu'il ose ouvrir sa bouche. Il a donné un très beau discours qui reste qu'une fioriture littéraire de qui, au fond, n'a pas eu son pesant d'or parce que après qu'il se soit attaqué à Kagame et à ses complices, ce discours n'a pas eu sa practicalité parce qu'il s'est directement contredit en allant signer cet accord avec les envahisseurs. C'est ce qu'un littéraire dirait en littérature, un axe oxymoron. Il y a du positif et du négatif. Positif, c'est la beauté du discours prononcé. Négatif, il s'est contredit pour aller encore signer. Et mon ami qui Félix Azakamoto Yakobanga, il a peur. Il vit dans la peur. Il vit et il marche avec la peur dans la tête. Il n'est pas responsable de ce qu'il fait souvent. Il est robotisé, un automate, parce que ses actes le trahissent. Depuis
perd sa y est pouvoir. Nous qui ne sommes pas à côté de lui, qui ne sommes pas ses conseillers, nombreux parmi nous, nous sommes ses détracteurs, ses opposants, et il y a une infime minorité qui le caresse dans le sens du poil, comme on dit, mais prenons la majorité de nous qui nous opposons à lui et à son équipe. Depuis longtemps, on lui prodigue des conseils. Depuis longtemps. Et certains parmi nous continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui. Que le problème du Congo, qui est très épiné, ne peut pas se résoudre dans des dialogues, dans des accords, dans des voyages, dans les discours creux. Ça ne peut pas se résoudre comme ça. Depuis longtemps, toujours PC va conseiller. Il a une équipe de presse qui visionne tout ce que les Congolais disent et d'autres gens, sous d'autres horizons, qui disent à propos de sa politique et de sa soi-disant gouvernance. Je suppose que cette équipe, il faut et peut s'accueillir, conseiller qu'est-ce que les Congolais attend et attendaient de lui. Tout souffrir Mingi. Et à sa prise du pouvoir, il y avait une lueur d'espoir. Les Congolais se sont dit, les allez moi n'en bas comme toi, pouvoir. Qu'importe la façon dont il a eu ce pouvoir-là, mais on a cru qu'il allait innover et changer automatiquement les choses du mal au bon. Malheureusement, c'est allé du mal en pire. Et aujourd'hui, les Congolais sont désillusionnés parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Tu y ça qui est toujours continué, tu y es ça y est. Bas discours pour me répéter. Bas rencontre. Azali solution T. Ce qui réellement Azali Mwana Mboka. Si il a l'amour du Congo au cœur. Tosi tu es Mbala Mingi. Akanga ba frontière. Nyos. On peut voir là où nous ne sommes pas tellement vulnérables, comme ils veulent exporter toujours leurs minéraux dans l'Afrique du Sud, peut-être ils peuvent laisser ça. Mais côté Angola, Bakanga, côté République centrafricaine, Bakanga, à partir du Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Tinasse, Zambie, nous ne serons pas les premiers à le faire. La grande puissance, la puissance Amérique, a érigé un mur entre Yango et le Mexique. Le faux Israël qui a arraché la terre des Arabes, à Tonga Yango, il y a 16 mètres bétonnés d'en haut. À l'époque du général Moshe Dayan, Mirezali. Et ça donnerait de l'emploi à nombreux Congolais qui ne travaillent pas. C'est une question de lancer offre et puis société spécialisée en construction et puis là, quand on a Bakoya et un peu de temps, on peut construire le mur là-bas. Tout en laissant sans doute voie de sortie et d'entrée qui sont bien contrôlées. Touye Bissakaye. Bissou, Congolais, tous allés à l'extérieur. Naba Moussous Bazana Katikuna. À Bengana, il doit épurer l'armée. Et que Bengana, les soldats Nyoso, étrangers. Il ne l'a pas fait. Il parle de l'infiltration de notre armée. Mais qui autorise cette infiltration? Sans doute Banda a vaillé. Mais à sa prise du pouvoir, il a fallu s'atteler à ça immédiatement.
kobenga na bango nyonso. Et puis détecter dans notre armée ceux-là qui collaboraient avec eux, les punir et puis côté na bango la retraite et les mettre sous surveillance. Il ne l'a pas fait. Par contre, à ça les promotions na bango pendant qu'ils tiennent encore des liens avec les envahisseurs. Il ne l'a pas fait. Toyeb Sakai a limité le nombre de ministres. Et puis, a tiré un ministre étranger, la Kati et l'équipe gouvernementale. Mais, ayant peur de Kagame, de Museveni et des autres, à l'équipe gouvernementale, il nomme des Rwandais. Il est allé jouer sa comédie au Kivu en promettant que territoire à Minembwe, à Kouanile, ordonnance Wana. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ba Rwandais, ba tongi ba banque ou coopérative, ce qui n'est. Ba Rwandais, ba lingi ba mana kutonga aéroport. Comment yo kende ko résoudre problème Wana na ba discours alors que tu cautionnes l'occupation du territoire congolais? Toyeb Sakai a benga na barwande mususu, qu'il soit civil ou militaire, ou ba kota na kati ya mboka. Qu'il nous dise, barwande ou ba kota kana ba ngombe ti na bandundu. Bazala kawapi. Au Congo, les médias ne savent que s'attaquer à des opposants. Pourquoi ceux qui se disent des journalistes d'investigation ba kende ke kula ko sala bankete kuna te po bala kisabi su ke fond ce rwandais na bandundu, ke fond ce rwandais na ba Congo, ke fond ce rwandais na Équateur, ke fond ce rwandais au Kasai, ke fond ce rwandais na Katanga? Où sont ces journalistes d'investigation? Où sont les services d'intelligence? Zoua barwande nyoswana ou bakota na Kasai. Rambalele bazonga na mboka na bango. Je suis en train de proposer des solutions. Pourquoi tu ne le fais pas? Et ton objectif primordial, ezali kaka ba élection. Pour faire quoi avec les élections? Le deuxième mandat, pour faire quoi avec ta réélection? C'est ce qui va pacifier le pays? Tu le penses vraiment? C'est pas ça la solution? Tu tapes à côté. Monsieur Félix et ton équipe, tu ne vises que les élections. Ça ne va nous amener nulle part, ça, monsieur. Toyeb Sakai, okanga espace aérien. Lelo ozopesa Goma na Rwanda. Et avec la grande menace que le Rwanda azoba réfugié bas en Angleterre et peut-être dans d'autres pays occidentaux, baya koinstalle bango na côté à Goma. Ça ne résout pas les problèmes. Ça ne résout pas les problèmes. Monsieur Félix, un petit conseil pour terminer. Toyo kakake, ba beta ka avion na yo moko, masas. Npe moutou kana yo blende, e kouya kana avion ana, e yave peut-être des gardes du corps et des chauffeurs. Bon, on a vu dans la presse et puis tout le monde qui n'a pas réseaux sociaux. Cela ne te dit rien. Tu te rappelles lors des accords d'Arusha. Les Tutsi, la Betaka, a vu un président apparemment un missile. Kaka, Nabiloka, ba accord wana, ba négociation wana. Tu es content de voyager dans des avions. Tu ne t'arrêtes pas en aucun moment pour dire que ba Tutsi wana sont sans cœur et sans esprit. Donc, Beta, vieux na masasi. Et comme ils sont des agents des impérialistes sur le continent, il n'y aura pas d'enquête. Parce que, regarde, une vingtaine d'années après qu'on ait abattu l'avion du président Habyarimana,
la soi-disant communauté internationale corrompue n'a jamais donné le verdict sur l'abattage de l'avion présidentiel rwandais. Personne n'a été condamné. Malgré la publication de beaucoup de livres, d'articles par des chercheurs indépendants, malgré les déclarations, il y a battu la télévision. L'Occident a tient main à Mounoko. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voudrait gratifier le même assassin. Après, ça a été des milliards et des milliards de dollars pour accueillir un flot de réfugiés célibataires, qui sont des militaires, pour venir occuper le Congo et balkaniser la partie à l'est. Ozoyo Kassonite, bien avant toi, il y avait un certain François Tshibanda qui est allé signer des accords comme ça. Le Congo ne t'appartient pas, messieurs. Et je déplore ta venue au pouvoir. Tu t'entoures de gens qui ne valent rien. Comment tu peux poser des actes comme ça au Kenokote Kamboka sans passer par le Parlement, sans un référendum, et malgré que vous passez dans le Parlement dans le référendum, Mboka Nini O était kaka parti naïe dans Mboka Moussousou. Mais il y a des lois qui existent depuis des années et des années. La droit congolais qui interdise ça, ce que tu es en train de faire, tu penses que tu seras éternel, que Mbambongo Bazoko Pesayo fera de toi éternel? Tu trahis tout un pays? Alors, pour les compatriotes congolais, nous avons tant condamné Félix. En continuant à le faire, quelque part, nous devons nous arrêter et poser des actes. Dans une des vidéos que j'avais postées, Naïb Sakabinoke, tout ce que nous devons faire maintenant, c'est aller au Boma, Félix, Naba Tonaye. Ba Congolais, Botumba Parlement, Botumba Sénat. Ne pensez pas que le gouvernement est allé, le gouvernement n'a bien noté. Kingakati est tondi na basoda, ba Zimbabwéen, ba Érythréen, ba Éthiopien, ba Rwandais, na ba Moussousou. Ba Moussousou, tu peux bozo kanga bango lelo, na ba Kankokolo. Ça doit vous dire que d'ici là, Bokola Moka, il y a un autre coup d'État. Coup d'État au Biso Tolingi, Ezali Oye Salami na Bana Mboka. Si ça sera toujours le même Rwandais, alors nous y allons pour l'esclavagisme. Alors, Bino, qui était sur le terrain, au lieu de passer votre temps, il y a que ça comme conférence, la police de Félix est Boma, Kabino Nenge Outu Kouboma, ba militant, il y a SID. Assiéger les bâtiments administratifs. Botumba yango. Botumba bandako. Yaba député. Botumba bamitu kanabangwana. Et ne faites pas ça, Mbalamoko. Que ça soit généralisé, Nenge et Zalaka nababoka moussous net l'Egypte, net la Tunisie. Bako kima bako bwaka minduki wana pe boko sima minduki wana boko bomba bango. Bo tumba parlema, bo tia essence. Panake bazaye na kati kuna, bo tia essence pembeni, bo tumba parlema. Bo bandako bwaka ba grenade na bandako ya ba depute na bandako ya ba ministre. Bo tumba ba palisade wana il y a corruption. Félix appelle ça bango. Poser des actes.
au lieu de passer le temps, boke nekana ba église, boke nekana ba concert. Nenge boningi boti na soki, wera son aya na Afrique du Sud, kope sa concert. Pino ba musicien, bo yo kakate, bazo bengana bino partout en Europe, on ne veut pas de vous. Boningi bo, continue kona na ba Congolais jusqu'en Afrique du Sud. Yo wera son musique ni de benza yo betak. Non, depuis que toi tu as commencé ta carrière, à part les génériques, l'air où la sonne bima, au besoin qu'on na maka ko moko boy. Moi, je n'ai jamais vraiment que quand nzimbo na moko est cartonné. Toi, tu es quel musicien toi? Au besoin qu'on sache la publicité, où y a qu'on bête na stade Ellis Park. Yo yebi Ellis Park n'engazali. En 1994, Michael Jackson a donné un concert là-bas. Et d'autres grands musiciens. Toi, tu n'es pas un grand musicien. Même à Kinshasa, tu n'es pas un grand. Tu ne connais pas chanter, même pas danser. Vous avez vu que la sonité, pendant que le pays est en deuil, tu voudrais venir déranger les gens ici. La coopération, voyou, bazalia, batou pamba pamba, qui ne veulent pas travailler. Oh, balingi, balata bilamba, bamela masanga. Bala la nabasi, pour qu'on dise que non, bango, ce sont eux qui ont fait produire Werason ici. Est-ce que Werason a un musicien? Mon gongo nini yo a un angoza un charme, ou penza, boyo kaka, à comparer la ba musicien moussous. Qui a besoin de la musique de Werason? Ou de la musique en général? Bino pa kino a boza li boma ou qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Ceci provient de moi. Vib. Je m'adore Vib Kilkilele. Pour le Congo de Lumumba. De Kasavubu. De Kimpavita. De Kimbangu. De tous les martyrs congolais. Et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Moi, mon amour. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. CongoDialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. CongoDialogue.com.